Bonjour et bienvenue Evil Dead The Game. C'est parti, on va faire du démon de Kandar. Donc pour ceux qui connaissent pas ce jeu, c'est le même système que Dead by Daylight, c'est-à-dire que c'est un 4v1 avec 4 survivants et un tueur. Par contre, la chose qui est plutôt sympa avec celui-là, c'est que c'est très combat en fait, c'est très très action, que ça soit du côté survivant ou du côté de tueur. Donc je pense que ça peut plaire à un peu plus de gens que Dead by Daylight. On va dire qu'on ressent moins le côté PVP, et on a plus ou moins... Enfin, après, bien sûr, pour le côté tueur, évidemment, c'est très PVP, évidemment. Mais pour ce qui est des survivants, en fait, c'est plus... on vadrouille, on cherche les morceaux de map et tout ça, on a des objectifs à faire, on se stuff aussi, on trouve différents types d'armes, genre vert, violet, etc., légendaire, etc. Donc on a moins le sentiment, en fait, de jouer contre un joueur, ce qui est des fois un peu embêtant, genre dans Dead by Daylight. En tout cas pour moi, par exemple, parce que si le tueur, en fait, vous focus... au début du match, vous mourrez, tout simplement. Même si le tueur perd la partie, vous mourrez très vite en fait en début de partie, ce qui peut être très frustrant en fait. Donc c'est pour ça que Dead by Daylight a quand même une communauté qui est assez grosse, mais qui est bien précise, on va dire, sur ce type de jeu. Ok, très bien, ça commence bien. Aïe. On relance. Mais en tout cas, voilà, Evil Dead est très action des deux côtés, et assez fun, j'aime bien. On a trois types de démons, et on a 8 ou 9 survivants, il y en a à débloquer. On a un niveau général qu'on peut voir en haut à droite. Après, on a quelques, on va dire, habilités passives qu'on peut améliorer par rapport aux démons ou alors aux survivants. Quand on monte de niveau, ils ont tous des skills différents, les démons pareil, il y en a trois types pour le moment. Moi j'aime bien le marionnettiste, mais sinon après vous avez le chef de guerre, donc le gros là, ou la grosse qui vole. On a le nécromancien de Evil Dead 3, hein, le troisième film. Je pense que la plupart du temps les gens utilisent celui-là, je le vois énormément quand je joue en survivant, et je vois pas énormément le marionnettiste, honnêtement, mais c'est un de mes préférés, et celui-là il vient de la série Ash versus Evil Dead. Très bonne série, hein, très bonne série. Je crois qu'il y a 2 ou 3 saisons. Je conseille de regarder ça, vraiment bien. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne du côté tueur. Je vais aller très vite et tout ça parce qu'on veut évidemment essayer de gagner, hein, évidemment. Mais vous allez voir, on va jouer à Pac-Man, c'est plutôt cool. On va souvent jouer à Pac-Man. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait ça vous force à vadrouiller un peu dans la zone, tout comme ce qui se passe en fait dans la série ou dans le film, avec la vue, la caméra qui va extrêmement vite et tout ça dans la forêt. C'est vachement sympa, beaucoup de clins d'œil et tout ça là. On va aller là-bas. Là. À la série et au film. Ok, donc on joue à Pac-Man, on augmente notre barre qui est en bas au centre de l'écran, et ça va me permettre de poser des pièges, invoquer des démons, etc., etc. Donc moi, pour le début, je vais poser des pièges en fait tout autour des zones à risque, en tout cas pour moi. Donc c'est-à-dire la dague et la zone avec la carte, hein, la map. La page du Necronomicon. Hop. Et on monte de niveau aussi en faisant ça. Là on peut voir que j'ai un niveau à mettre. On a différentes choses à augmenter. Donc on a l'énergie pour avoir plus d'énergie. Et après l'énergie augmente même toute seule. Après on peut débloquer les portails d'élite, les portails de base pour invoquer des monstres. Et après on a un boss. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce que je voudrais trouver, ce sera un coffre. Non, pas de coffre. Ça permet de gagner pas mal d'expérience en fait, de piéger les coffres. Là je dois avouer que j'ai fait au moins 4-5 parties et je les ai toutes gagnées d'affilée. Je vais dire que... Je crois, j'ai cru entendre encore. Je vais dire que si les gens jouent ensemble,
ça peut être extrêmement difficile de tuer les survivants. Mais les randoms, la plupart du temps, on joue pas vraiment ensemble, donc ça va. Comme d'habitude, hein. Même système, dans tous les jeux, c'est la même chose. On va augmenter l'énergie aussi. On va aller vers la dague maintenant. On sait pas où ils sont pour le moment sur la carte. Ça, c'est la carte. La carte est très grande. On sait pas où ils sont parce qu'il faudrait qu'ils utilisent une voiture ou alors qu'ils fassent du bruit. On vient de les trouver. Ok, ça marche. Donc, on peut déjà s'amuser avec eux. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il y a un sous-sol apparemment. Très bien. Ils sont les autres. On peut posséder aussi les joueurs. Donc comme je fais, et après on tape ses potes, c'est marrant. Bon, les mecs ils sont à 2 à 2. Ils ont pas l'air d'être de jouer très très en équipe, donc ça devrait bien se passer. Okay, très bien. On a pris pas mal de points là, c'est cool. On va augmenter les pièges, c'est le plus important. Il nous faut des boules. Ou un coffre légendaire. C'est très bien. Je sais pas ce que font les autres. On peut prendre possession des ennemis qu'on invoque aussi. Ok, très bien. Bon, eux apparemment ils sont en train de camper ici, ça va. Ah, elle prend le... Elle s'est pris la main parce qu'elle a pris le coffre. Okay, très bien. Bah tiens, on va en profiter. Hop. Ça c'est la flic dans la série. Non, c'est un cul-de-sac. Pour le moment, honnêtement, c'est cool. On devrait passer un bon moment parce qu'ils ont, ils jouent pas vraiment en équipe. Si jamais on la fait tomber, elle va être en hémorragie. On l'a bloqué en plus dans le coffre, c'est bien. Ok, très bien. Ah, la map, elle a apparu ici. Alors, je vais dire qu'il y a des trucs un peu qui n'ont pas été testés. Comme d'habitude, hein, dans les jeux comme ça, c'est jamais testé à fond. Mais il y a des choses un peu bêtes, genre des fois les... Voilà, on va prendre un peu de temps. Si vous regardez la map, par exemple les survivants apparaissent là, la map, la première bout de map peut être à côté, complètement à côté, donc ils prennent genre 30 secondes pour récupérer un morceau de map. Et après, genre la map peut apparaître ou dans la zone où les gens viennent d'apparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils font un aller-retour. Et ils ont déjà deux morceaux de map en genre 2 minutes. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui sont, je pense, qui devraient être testées, vérifiées. Mais bon, hein, c'est comme d'habitude, les développeurs et tout ça. Mais voilà, pour le moment, nous, on honnêtement, là, c'est très simple parce que ils jouent pas vraiment en équipe, mec. Je vais essayer de le choper. C'est bon, lui. Okay, très bien, je lui ai fait peur, je peux le posséder si je veux. Ouais, reste là, c'est très bien, merci. Ou pas? Ok. Faire apparaître des monstres, on va posséder celui-là, on va le taper. Après, on a des différentes habilités, je peux électrocuter moi surtout, et après, je peux me dédoubler avec l'élite, ce qui est assez sympa. Donc, on a deux morts, il y en a une qui se fait, son âme se fait transporter, donc ils peuvent se réanimer, hein, même s'ils sont morts. Donc, Allez, est-ce que je peux refaire un petit coup d'électricité avant de mourir? Ok, très bien. Très très bien. Ok, il faut jouer Pac-Man. On va essayer de se faire lui. Je crois qu'il va aller récupérer l'âme. Ouais, je crois qu'il est en route pour l'âme. Oh, il y en a déjà un là. Ok, ça marche.
Ah, j'aurais pu mettre un piège là. Ah merde, mais j'ai plus de... j'ai plus assez de fuel pour posséder. On va posséder lui et après on va taper... C'est quoi ça? Hache. Hop, très bien. Ah non, c'est le chevalier là du 3. Ah oui, quand ils sont en animation comme ça, ils sont invincibles. Ce qui est un peu frustrant. Mais bon. Ok, on a les deux, très bien. Non, tu montes pas dans la voiture. Très bien. Donc ils sont en train de transporter les deux âmes. Donc s'ils peuvent, s'ils trouvent un hôtel, ils peuvent réanimer les deux. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. On a 5 points à mettre. On va augmenter la possession. J'aime bien la possession. Ok, ils sont partis. La voiture va très vite et quand on est en forme spirituelle comme ça, alors c'est sympa parce que ça va vite et tout ça, mais honnêtement la voiture déjà va plus vite si elle trouve une bonne route. Et on se bloque en fait sur pas mal de choses. Oh, vite, 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 vite. Yo, je l'ai je l'ai arrêté juste avant. Voilà, très bien. Et maintenant ce qu'on fait... Et qu'on laisse crever. Et ciao. Oui. Oui. Hop là. Ok. C'est assez drôle. Bon voilà, c'était un match... qui était assez rapide. Parce que les mecs, ils jouaient pas du tout ensemble. Normalement, ça dure au moins plus de 20 minutes quand même. Hein. Là, j'ai fait à peine 11 000 points, c'est nul. Normalement, je fais plus de 30 000 à chaque fois. Normalement, je fais plus de 30 000. Mais bon, voilà. Ça vous montre un peu un match quand les gens jouent pas ensemble. Là, vous pouvez choisir les survivants. Et après, il y a les démons. Et c'est là que vous pouvez augmenter en fait certaines habilités. Et vous pouvez retirer les points, remettre les points. Donc ça, c'est bien. Donc par exemple moi j'inflige le sprint démoniaque, en fait c'est pour les effrayer, ça génère plus de... ça inflige plus de peur, là c'est le temps de recharge qui est réduit, après les dégâts du coup de foudre. Ce coup de foudre fait extrêmement mal avec le boss, donc j'ai augmenté ça, et après pour les ressources infernales en fait j'ai augmenté la réapparition des cristaux, et l'énergie infernale octroyée par les orbes. Au début, de toute façon, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à choisir. On va recommencer, on va refaire un petit coup de tueur. Donc, c'est comme ça en gros. Par contre, les trois tueurs, en fait, à la limite, j'ai envie de dire la différence avec un DBD, c'est que les trois tueurs, vous allez jouer plus ou moins de la même façon, surtout au début, c'est-à-dire que vous allez poser des pièges, jouer à Pac-Man. Pour augmenter de niveau, et une fois que vous les avez trouvés, les survivants, c'est là que vous commencez à jouer avec eux en fait à la place. Donc vous commencez en fait tout le temps pareil, que ça soit un des trois démons, c'est toujours la même chose au début, mais après c'est donc les minions et le boss qui change, hein, tout simplement. Donc voilà. Mais après, est-ce que c'est fun? Je pense que c'est un peu plus fun, comme je dis, qu'un DBD, parce que c'est quand même un peu plus action et tout ça. Vous, que ce soit des deux côtés, vous combattez, vous tapez tout le temps. Après, est-ce que vous pouvez vous faire genre bolos par une équipe de 4 joueurs qui est très bon? Oui, oui, il y a des survivants en fait qui sont extrêmement puissants. Genre, il y a Ash du premier Evil Dead. Qui va se soigner lui et tout ce qui est autour et tout le monde en fait qui est autour de lui quand il fait une attaque chargée. Donc en gros il peut spammer ça et en fait il soigne constamment. Après on a la femme qui peut poser un soin au sol. On a un chevalier du 3 de Evil Dead 3 qui peut se rendre invincible et qui fait extrêmement mal au corps à corps. Donc
Ouais, y a des, on va dire, des combos de survivants qui sont extrêmement cancer s'ils jouent tout le temps en fait serrés, tout le temps ensemble, qui est quasiment impossible de tuer, quoi, en gros. J'ai remarqué. Alors, on est à la page. J'aime beaucoup les voix, parce que c'est les, y a la voix de Bruce Campbell et tout ça, et des acteurs du. De la série. Il y a Kelly, il y a Pablo de la série. Ok. Alors, est-ce que c'est une bonne zone? Aussi, vu que c'est aléatoire, l'emplacement des... Putain, mais... Des fois, hein, ça veut pas charger. L'emplacement de la page et de la dague, c'est complètement aléatoire. Et je dois dire que des fois, en fait, c'est bien placé. Ou genre, vous êtes dans une sorte de petite, un petit village avec plein de pièges tout autour. Et des fois, c'est complètement de la merde. C'est-à-dire que vous avez la page qui est en plein milieu de la cambrousse. Il y a zéro piège à mettre. Il n'y a rien du tout. Genre là, par exemple, honnêtement, c'est pas top. Il n'y a pas de piège à proximité. Donc, ouais, très très bof. Très très bof, genre la page par exemple. On va aller voir la dague. La dague, on aura peut-être plus de chance. Vous voyez, j'ai même. Ma barre elle est pleine de ressources infernales. Parce qu'il n'y a pas assez de pièges en fait. Ah, par contre là c'est bien. Là cet endroit est cool. Le crash de. Enfin, la dague elle est un peu à l'extérieur en fait du crash. Ce qui est un peu embêtant, mais ici il y a plein de pièges à mettre. Il y a même un coffre, je l'ai entendu, il est à gauche. Et on a un deuxième de coffre. Ok. Très bien. Il est où le coffre? Coffre légendaire. La dague, on va dire qu'elle est un peu mieux placée, mais c'est pas vraiment ça encore. En gros, s'ils arrivent par le côté de la dague, ils vont se prendre aucun piège, mais par contre, s'ils arrivent complètement de l'autre côté, ça, ils vont se manger 50 000 pièges. Mais putain. Ah, des fois, hein, l'icône en fait s'affiche pas, ou alors met un peu de temps et vous appuyez trop tôt et du coup ça charge pas. Ça c'est un peu emmerdant, j'avoue. Et vous pouvez pas appuyer sur la touche en fait avant que ça apparaisse, avant que l'icône apparaisse, sinon ça prend pas en compte. Donc ça c'est un peu chiant. Pièges. Alors les pièges qui est bien c'est que quand vous les augmentez, genre les premiers, deuxième niveau, ça va augmenter la peur que ça inflige en fait, et ça me permet de contrôler les gens plus facilement. Et après le troisième et dernier niveau en fait d'augmenter les pièges, ça fait apparaître des élites au lieu de monstres normaux. Donc extrêmement sympa. Ils ont une page, on va aller là-bas. Par là. Aussi, eux, ils voient, ils savent où sont les morceaux de cartes, les trois morceaux de cartes du début. C'est leur objectif, en fait. Genre, c'est aller là-bas, etc. Nous, on sait pas. Nous, on voit pas. Par contre, si on va vers les bâtiments, si on tombe sur un bâtiment avec une carte, ça va nous l'indiquer. Donc après c'est un peu comme vous voulez. Ou vous faites le tour, essayez de trouver les cartes, ou vous mettez des pièges et vous essayez d'augmenter le niveau. Moi personnellement je mets des pièges, comme j'ai dit, à la dague et à la page. Et après j'essaye de les trouver par rapport à eux s'ils font une erreur en fait. Parce que la carte, comme j'ai dit, elle est méga grande, donc... Genre courir après les survivants, c'est genre sans savoir où ils sont, c'est un peu la galère. Alors là, je mets des pièges, mais je sais jamais, je sais pas en fait s'ils vont aller par là. Genre ils les activeront peut-être jamais en fait ces pièges-là. Voilà, maintenant je ferai apparaître des élites quand les pièges pèteront. Ah ok, il y en a une qui est terrifiée.
putain, elle est pas restée terrifiée longtemps, mais j'ai vu l'icône sur la minimap, c'est dans ce, de ce côté-là. Ok, très bien. Ok, on se bloque, ça c'est cool. Ils ont déjà la carte entière. Eh ben, ça va pas être fun. Donc ils ont déjà la carte, ils peuvent aller récupérer. Il n'y a pas de piège à mettre là, c'est une catastrophe. Ils ont la carte, ils peuvent aller récupérer la page et la dague. Ok, ils se sont pris le piège. Un peu de dégâts. En gros, le but du jeu, c'est pas vraiment... Enfin, les tuer, de leur faire des dégâts, oui. Mais le truc, c'est surtout de les épuiser. Parce que les ressources, en fait, sont assez dures à trouver. Que ça soit du soin, que ça soit de la protection, des armes et tout ça. Donc si vous pouvez les épuiser, c'est-à-dire leur continuer à leur faire peur, récupérer, leur faire utiliser toutes leurs armes... Ouais, c'est bon. Je t'ai possédé juste avant que... Juste avant que tu utilises le feu là pour te... Enfin la lumière. Non merde, trop tard. Attends, on va leur faire peur encore une fois. Hop. Très bien. On peut posséder H. Très bien. Voilà, on leur fait perdre du temps. Ils ont 23 minutes en fait pour récupérer la dague et la page. 30 minutes en bon, depuis le début et là il reste plus que 23 minutes. On a 2 points. On va faire ça. Très bien. Ah, là, ils ont des armes de merde. Très bien. Ah putain, il m'a défoncé. On peut posséder la voiture aussi. Mais le mec, il me pousse en voiture. Alors que je suis un esprit. Allez. Bon, putain, j'arrive pas à activer le piège. Je sais pas s'ils vont venir là, s'ils vont voir le coffre. On va prendre notre boss aussi. Le boss est cool. Et ils ont plombé la voiture, très bien. Elle, elle y va, ils ont activé un piège. Elle, elle y va solo, on va peut-être pouvoir se la faire. Ah, et là, il y a pas mal de pièges sur la route. J'ai possédé elle au lieu de posséder... Au lieu de posséder un mignon, c'est pas grave. Quand tu... Ouais, là, lui fais pas de dégâts, c'est bien. Putain de merde. Ok. Encore 4 secondes et j'ai mon habilité spéciale là pour... contrôler des monstres et les rendre plus puissants. Et il me l'a tué. Ok, ça marche. Vous avez vu, ils sont full vie, ils ont de la défense et tout ça. Hein, donc ils sont bien équipés, honnêtement. Le problème, c'est que les pages, en fait, étaient vraiment proches l'une des autres. Donc ils sont allés très vite. Donc personnellement, j'ai pas énormément de points, en fait. Je suis pas vraiment très puissant, là. Ça, c'est un problème.
Là, ils vont pouvoir activer ça. Genre, il n'y a rien à mettre ici. C'est une horreur. Alors, quand ils activent ça, notre infernal augmente automatiquement. Et on va amener le boss. Alors, il est pas très augmenté, il est à peine niveau 2, je crois. Donc, on va voir. Bon, elle, elle a l'air de... On va pouvoir la mettre à terre. Très bien. On est invisible quand on se déplace comme ça, c'est pas mal. Non, tu le fais pas. Alors lui, il peut se mettre invincible. Non, c'est le... Non, c'est pas lui. Il y a l'autre chevalier, il peut se mettre invincible. Et pour récupérer les gens, c'est vachement pratique. On va essayer de leur faire peur. Vite, vite, vite. Hop là. Très bien. Très bien. On l'a empêché de... Hop, électricité un peu partout. Faudrait le mettre à terre. Elle est morte ou pas? Là, on est toujours en hémorragie. Moi, je suis stun comme un débile. Ça me rappelle vraiment résistance. Quand... Putain, ils l'ont réanimé. Des fois. Où les zombies, en fait, étaient stunnés pendant je sais pas combien de temps. Ça me rappelle un peu ça, des fois. On peut se les faire s'auto-détruire et... Et ils font des dégâts de zone. Mais c'est assez simple en fait d'esquiver. Faudrait aller tuer l'autre. C'est quoi, c'est le H qui a plus trop de vie. Ouais. Complètement bloqué, c'est bien. Pas celui-là, c'est l'autre. Je sais pas si on va pouvoir les empêcher de... En tout cas, on les... Comme j'ai dit, on les épuise en fait. Parce que là, ils ont plus de protection, ils ont pas trop de vie. Ils doivent plus avoir de soins. Ok, parfait, allez, on peut la posséder. Très bien. Elle a une arme de merde. Elle a vraiment des armes de merde. Ce serait bien de mettre l'autre à terre. Non, ils sont déjà soignés. Putain, se soigne vite, hein, c'est horrible. Et moi, je me fais bolos comme un idiot, c'est bien. On va rester sur lui, c'est pas grave. En tout cas, on a 6 points. Ouais, on a été banni. C'est pas grave. Ok, cool. Ça va, on les a bien épuisés. Ils ont un peu de protection. Enfin non, il n'y a que le jeune H qui a de la protection. Il y a du crossplay aussi hein, sur ce jeu. Full crossplay entre les deux consoles et PC en même temps. Leur vie est ok. Je voudrais bien que ça soit un peu plus bas. Mais là on est bien, ça va. Par contre la zone de la dague est pas top. On va encore leur faire chier. Bien. Moi je crois que quand je tape, je baisse leur... je les fais paniquer aussi, donc ça c'est bien. Oh cool, on peut faire ça.
Il est invincible ou quoi? Je crois pas que cette zone soit... Enfin, on a mis des pièges dans la zone de la dague, mais... comme j'ai dit, la zone, elle était un peu pourrie. Ah, ils vont arriver... Ouais, ils vont pas vraiment se prendre des pièges, en fait. J'ai utilisé mon habilité pour augmenter les... Oh, elle est pas en vie. Très bien. Très bien. Là, on peut voir qu'il commence un peu à être dans la merde. C'est, il tombe en fait très souvent. Parfait de ce côté. Très bien. Ouais, je vais m'invoquer le boss maintenant. Mais je peux pas, merde, j'ai pas assez de... faire le boss maintenant. Ah, ça l'a pas touché. Ouais, d'accord. Cool. Ok. Il y a le vieux H qui est presque mort. Il est où le vieux H? Voilà, très bien, avant qu'il... que je disparaisse. Ok. Piège en plein côté de la... Très bien. Mort, hémorragie, hémorragie. Et après, moi, je possède lui. Donc, ce qu'on va faire... Allez, au revoir. Allez, à plus tard. Voilà. Ça, on se balade. Hein. Hey, man's body is his own personal property. Très bien. Donc faut qu'il réactive la dague parce qu'il est sorti de la zone. Hop, on met un piège là. D'accord, on va pas sur le... On va pas sur H, c'est pas grave. Ah, ça va, on va le tuer. On va se dédoubler juste pour le style. Allez, ciao, à plus tard. On peut s'amuser avec lui, mais il a quasiment pas de vie, donc ça m'étonnerait qu'il y arrive. On peut le laisser récupérer les âmes et le laisser réanimer les autres. On peut s'amuser. Je sais pas si ça vaut le coup, si ça donne vraiment plus de points. On va voir s'il survit, on va le laisser. Mais bon, il y a beaucoup de monde. Et c'est surtout des élites, en fait, qui apparaissent. Il a récupéré des... Non, il a même pas récupéré les âmes.
bien. Allez, vas-y, H. Allez, on a confiance. Il a plus de vie, quoi. C'est marrant. Alors après, en fait, ils peuvent genre faire un peu de dégâts et ils ont genre un finishing là, comme je dis là à chaque fois, et ils sont invincibles quand ils font ça, genre ce qu'ils viennent de faire là. Et c'est un peu, on va dire, peut-être un peu abusé. On peut complètement en fait en abuser et spammer ça. Non, il va falloir que tu récupères tes potes, ouais, que tu récupères de la vie, je sais pas, débrouille-toi. On peut un peu en abuser et être invincible souvent. Mais bon, c'est comme ça pour le... C'est, on va dire que c'est pas très... c'est pas très embêtant, mais... Voilà, il y a des fois c'est un peu abusé. Ou genre vous faites que taper et les mecs sont invincibles. Ah, il essaye, hein. Au moins il... Ah, il a récupéré une âme. Il a récupéré une âme. De la femme. On a un inventaire en... Non, on n'a pas un inventaire. Mais après, pour les habilités, donc il y a ça. Donc là, j'ai de l'énergie en plus et je régène automatiquement. La possession, j'ai de la santé et des dégâts plus quand je possède quelqu'un. Après, on a le portail de base. Donc ça, c'est pour invoquer des unités de base qui sont bof bof, en fait, avec ce démon-là. Et après, on a le portail d'élite. L'élite est vachement bien, en fait, dans celui-là, parce que ça fait de l'électricité. Ah, merde, il est mort. Ouais, il est mort. Ça fait de l'électricité et tout ça. Les élites sont plutôt sympas, en fait, avec ce démon-là, ce démon Kanda. Et le boss est cool. Le boss est sympathique aussi. Là, il a fait 10 000 points. Voilà, il est bien. Niveau 15. Ça, c'était marrant. On l'a laissé faire un peu de plus de points. Parce que nous, on avait sûrement les 30k déjà, même si je l'avais tué plus vite. Alors, on a récupéré donc ça. Le grand marionnettiste 1 augmente les bonus de santé et de dégâts octroyés par la compétence marionnettiste. Donc, c'est cool. Et on a un point à mettre en plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Le niveau de perroquet, pression devient vivre avec la vision démoniaque. La portée de la vague télékinétique. Bof. Le temps de recharge entre chaque placement de portail d'élite. Ça m'intéresse. Augmenter les dégâts par vos clones. Non, on va prendre ça. Après, on a quoi? Rallonge la barre d'équilibre des unités d'élite. Les attaques de mêlée infligent des dégâts de saignement pendant une durée limitée. Cet effet peut être cumulé. Augmente les dégâts infligés par les unités d'élite. Voilà, je pense que je vais prendre élite. Ouh, augmente les dégâts infligés par l'unité de boss, c'est cool. Après on a quoi? Passer en position d'unité, passer sur nos objectifs, active le temps de progression que je vais penser ralenti. Et la quantité d'énergie requise pour posséder des survivants, ouais bof. Les attaques de mêlée de distance et survivants possédés infligent davantage de dégâts. Ouais, donc là c'est plus la possession en fait de survivants. Là, c'est plus l'armée en fait et le boss. Et là, ça c'est les portails. Ah, ça c'est les unités de base en fait. Portail unité de base, ça c'est les élites et le boss. On a différentes tenues, enfin on en a qu'une pour lui. L'armée c'est ça, donc ça c'est le boss avec ses attaques et tout ça. Là, on a les demi-héligos, donc ça c'est l'élite. Oups. Que je trouve vachement sympa. Et après, on a l'unité de base. L'unité de base, honnêtement, elle n'est pas vraiment intéressante, comme j'ai dit. Très peu de vie, elle se fait défoncer en une seconde. Bon, après, elle explose, mais bon, beaucoup de gens savent quand même esquiver en fait l'explosion. Bon, après, ils courent très vite. Bon, ça, c'est sympa. Mais les mieux, c'est que c'est quand même... Ils font très mal. Avec leurs compétences, en fait, le coup de foudre fait très très mal. Oui. On en refait une? On a encore en faire une. Je m'en fous si là... Si la vidéo est longue, c'est pas grave. Je m'amuse, donc autant en profiter. C'est rare que je m'amuse. C'est parti. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Evil Dead, c'est des vieux films. Je crois que c'était 89, truc comme ça, le premier. Voire peut-être même plus vieux. On va regarder ça.
Il y a eu un remake aussi de Evil Dead. J'ai pas regardé, mais c'est pas très bien. Ouh, que dis-je ? Le premier Evil Dead, c'était 81. Après, il y a le deuxième en 87. Et après, il y a le troisième en 92. Et après, il y a la série qui est sortie, Ash vs Evil Dead. Qui est sortie, je crois, en 2020, un truc comme ça. Les films restent des très bons films encore, des classiques, honnêtement. Ce qui est sympa avec les trois Evil Dead, les trois films, c'est que le premier est assez sérieux horreur. Le deuxième devient un peu déjanté, mais ça reste quand même dans l'horreur. En fait, c'est une balance entre les deux. Et le troisième, ça devient complètement déjanté, fun, en fait. C'est assez sympa. Et pour ce qui est de la série pioche vraiment dans les bases du film. Genre, il y a beaucoup de gore. Enfin, de l'absurde. Genre, il y a énormément d'hémoglobine et tout ça. Mais ça reste super fun. Et Bruce Campbell joue très bien le rôle. Bruce Campbell est super cool. Donc ouais, je conseille. Allez, on va voir. On a la dague juste là. Après, pour le jeu, ce que je rajouterais, honnêtement, ce serait une habilité de pouvoir flotter un peu dans les airs pour pouvoir passer les obstacles. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment bien. A group of fools wander in our midst, seeking pieces of a map that will spell our demise. They must not locate these pieces. C'est pas top cet endroit. Pas extrêmement cool cet endroit de la dague. Il y a un coffre ou pas? Non. Allez, on va se casser. On va se taillot. Vous pouvez voir en bas à droite le niveau de menace et mon niveau à moi. Et vous voyez que l'expérience augmente en fait quand je récupère des boules, quand je place des pièges. Et après, bien sûr, quand je tape les survivants, etc. Cette zone est pas mal, il y a plein de pièges à placer, cette petite ville, là j'aime beaucoup. J'arrive pas. Très bien. J'ai du mal à appuyer, ça a pas fonctionné, c'est pas grave. C'est pour éviter d'être plein en fait, parce que si on est plein on peut plus récupérer de boules. Et du coup on récupère pas d'expérience. Your orders were clear. The humans must not obtain a single piece of the map. Ils ont déjà une pièce en 2 minutes, enfin une partie de map. La carte est pas top non plus. Hein. On va dire que j'ai vu mieux. Ouais, ça, c'est potable. Potable sans plus. Faut se placer d'un certain endroit, ça c'est très embêtant en fait. Surtout quand on est tueur, en fait faut que ça aille vite, faut qu'on puisse passer les pièges vite, faut faire les choses vite. Donc quand des fois il y a l'icône qui apparaît pas, très très embêtant. Là je suis obligé de passer sur piège. Ok, on sait pas où ils sont, on va aller en bas. De toute façon, il me faut des boules. Le problème, c'est que je suis en plein milieu de la map. J'ai aucune idée de quel côté ils sont. Donc si je vais à droite et qu'ils sont à gauche, bah voilà quoi. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Ok, ils ont déjà 2 pièces. Dismemberment.
Merde, j'ai plus assez de points. Leur peur n'augmente pas, donc ils jouent bien. Ils font zéro bruit. Ils prennent pas de voiture. Je peux pas vraiment les voir. Après, on a la vue démoniaque qui permet de pouvoir les détecter plus facilement, mais honnêtement, c'est plus ou moins des points perdus, en tout cas pour moi, je trouve. Pas de coffre. Sûrement être en haut. J'en sais rien en fait. J'ai aucune idée d'où ils peuvent être. Allez, oh là là. Très bien, on a piège niveau 3. Ah, terrifié. Merde, j'ai pas eu le temps de voir sur un minimap, j'aurais dû regarder un minimap d'abord. Ah, j'ai fait le con. All pieces of the map have been collected. The mortals will seal the breach if they are not stopped. Ok, là on risque d'avoir des problèmes par contre. Je sais pas s'ils sont vers la carte ou vers la dague. Ils ont une bonne équipe aussi. Ils ont beaucoup de soins. Bon, après, on a les pièges déjà niveau 3, donc on va invoquer directement des élites. Bon, c'est déjà ça. Je suis loin de la dague. Ils jouent super bien les mecs. J'ai pas eu le temps de le voir l'autre. J'aurais pas dû regarder la grande map, j'aurais dû regarder la petite mini-map. Je suis sûr qu'ils sont vers la dague plutôt que la page. Ouais. Ils ont activé un des pièges, donc ils sont vers la dague. Ça marche bien la peur hein, quand ils font des pièges. You have allowed the mortals to locate the Kandarian dagger. End them before they take it. Après, ils sont allés très vite, donc ils doivent pas avoir du très très bon stuff. Merde. Je l'ai pas vu. Quelle arnaque. C'est con parce qu'il y en a un qui était presque mort, l'autre hache là. Alors on peut peut-être aller le tuer. Bon, on va faire les autres. C'est l'électricité. Il est presque mort encore. Ah putain, il a... Ah, il a pris la lumière et... Ah,
Très bien. Ouais, ils ont pas trop de soins et tout ça en fait. Ils sont allés très vite. Elle est en train de le récupérer, c'est pas grave. Allez, mets-moi ce mec à terre ou pas. Merde. Ok, on a le boss. Très bien. La page. Oh la vache. Ils sont tellement beaucoup plus proches que moi. De la page. Mais ça va, c'était pas non plus de la merde. Comme on a vu, on peut voir qu'ils ont... Ils ont pas de protection, ils sont pas trop en vie. Donc ça peut... On peut encore sauver la chose. S'ils vont directement vers la page, sans aller récupérer des meilleures armes ou même du soin et tout ça, ils risquent de mal finir. Parce que maintenant, nous, on a notre boss. Putain, mais on est tellement loin. Ouais, c'est là, genre, on n'a pas de boost, on n'a pas... on se bloque sur pas mal de choses, genre des barricades, des fois quand on est à vitesse pleine, on va passer la barricade sans s'arrêter, mais sinon des fois on va bump en fait dans la barricade et la casser, puis enfin on perd du temps quoi. Ok, on y est avant eux. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des pièges, portail piège, j'arrive pas à le mettre parce que j'ai pas assez de puissance, pas grave. Très bien. Voilà, piège. Alors ils sont par. Ils arrivent de là, ok, ça marche. Ouais, ils sont encore très loin, ça va. On va aller s'amuser avec eux. Faut pas que je les loupe. Okay, très bien. Ça en voiture ou pas? Non. Si, c'est en voiture. Ah, mais j'ai pas assez de pouvoir, merde. Prendre pouvoir possession de la voiture et on va la foutre en l'air. Ah, très bien. Il est seul. Il est seul, mais il est puissant, donc ça va être chelou, ça va être chelou. Je lui fais quasiment aucun dégât, je crois que c'est 25. Enfin, là, il s'est boosté, il est plus résistant. Par contre, les autres, ils risquent d'activer la page, en fait. Je mets trop de temps à le tuer. Celui-là, ce serait bien s'il est vraiment seul, les autres, ils sont très loin, en fait. Allez. Ah, parfait, bon. Très bien. Mettre un piège là si jamais ils viennent. Merde.
Ah, j'ai merdé mon truc. Allez, vite. Je l'ai possédé. Elle a son âme. Parfait. Ok, très bien. Il me faut Pac-Man. Les boules, des fois, il faut aller les chercher. Bah, perpète, c'est vraiment relou. Ils vont sûrement récupérer son âme. Ils sont très bas en vie, les deux. Ah, elle, bien sûr. Ah non, non, ça, elle, c'est pas ça. L'autre, il a activé la dague. Non, il a activé la page. Tuer la page, faudrait peut-être y aller. Je voudrais bien en fait les tuer les deux, mais j'ai pas assez de boules qui traînent en fait. Ah, on va aller tuer l'autre qui est solo. Il devrait être simple. Parce que je vais avoir mon énergie en fait qui régène automatiquement. Donc je vais pouvoir le tuer facilement. Enfin, le mec, ouais, enfin, c'est d'accord, et j'ai l'impression qu'il est. Il triche, quoi. D'accord. Cool. Sa vie descend pas. Ça y est, elle descend. Qu'est-ce qui fait mal? Voilà, ça t'apprendra à faire le connard. Bon, les autres, ils sont là. On peut pas les empêcher de genre de faire leurs habiletés, ça c'est un peu relou. Là, mais j'ai pas de vie par contre. Tu veux pas mourir? Putain. Ah. Ouais, l'autre il était un peu débilement puissant. Il était un peu débilement puissant. Là, ils sont tous terrorisés. Alors maintenant, on a les anciens. Les trois anciens. Ils vont devoir faire des sortes de lasers en fait pour les détruire. Et nous, on doit protéger les anciens. Une fois que les anciens sont morts, les Dark One, là.
Notre but va être de détruire le Necronomicon, comme ça ils peuvent pas nous remettre en fait dans le bouquin. Et eux, ça va être de le défendre. J'ai envie de... Honnêtement, quand, le, pour les anciens, là, il n'y a pas de, d'endroit en fait pour mettre des pièges et tout ça. Donc autant s'amuser directement avec eux. De toute façon, ils vont vouloir réanimer leurs potes. Ah, ils l'ont déjà fait, putain. Non. D'accord. Évidemment, moi j'ai celle qui a une arme de merde. Trop bien. Oh la vache. Oh l'autre il est solo là-bas quoi. Tu te fous de ma gueule. Lui honnêtement, il est un peu abusé ce mec hein. Il fait ça solo ? C'est incroyable, le mec il fait ça solo quoi. Vous voyez que... Je peux rien invoquer, c'est tout. Il est trop puissant le mec. Bon toi tu tombes. Toi tu tombes genre maintenant. Non mais sérieux quoi. Ok, deux tombés. Il n'y a plus qu'elle. Parfait. Fouh. Ah c'était chaud. L'autre il était incroyablement puissant. Je veux pas dire. Après je veux pas dire que ça triche ou quoi que ce soit, mais c'était abusé quoi. Il devait être trop niveau. J'ai pas regardé. Je sais pas si on peut voir le niveau. Non, il n'y a pas les niveaux nulle part, on est d'accord. Mais ouais, il est extrêmement résistant, extrêmement puissant. Mais on a gagné. Là, on a vu un match complet. Par contre, là, on a vu un match complet de comment ça se passait. Genre, il a tué les esprits à lui tout seul, quasiment. Mais voilà, il se sentait un peu trop, genre, ouais, je suis trop puissant, tout ça. Et au final, bah, ça l'a tué. Au final, ça l'a tué, c'est bien. Ça c'était cool. Bah du coup vous avez vu genre un match où les gens jouent pas du tout ensemble. Après un deuxième match qui était assez serré. Et après le dernier qui était extrêmement serré. Ah, très bien. Qui était extrêmement extrêmement serré hein, le dernier. Du coup vous avez tout vu. Donc ça c'est cool. Ouais donc c'était Evil Dead The Game hein, du côté des démons. Avec le marionnettiste. Il est que sur Epic.
Si vous le cherchez sur PC, il est que sur Epic. Faites comme vous le sentez. Moi, Epic, honnêtement, je suis pas fan parce que leur launcher, c'est de la merde. Je vais être honnête, j'aime pas du tout le launcher d'Epic. Il manque tellement de trucs et tout ça, c'est pas pratique du tout. Vraiment une catastrophe. Mais je me faisais tellement chier que voilà. Et, j'avais besoin de me détendre et de passer un bon moment. Donc ouais, Evil Dead The Game. Je sais pas si j'en ferai plus. Si je me motive, je ferai un stream, sûrement dans 5 ans, dessus. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Ciao, ciao.